Bonjour chers amis, aujourd'hui peut-être un petit focus, pas si petit d'ailleurs, mais en tout cas assez dense, sur l'IFI, le fameux impôt sur la fortune immobilière, qui a déjà quelque chose comme 6 ou 7 ans d'âge, mais qui fait beaucoup parler de lui en cette année 2024, en raison, je dirais, d'un tir groupé, là, d'une concentration de nouveautés pas très réjouissantes pour les contribuables concernés, qui se sont successivement alignés entre, je dirais, la loi de finances de cette année, ce qu'elle a apporté comme nouveauté en la matière, et la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue rappeler 2-3 vérités qui ont un effet domino assez massif, peut-on penser. Une réponse ministérielle qui est venue rappeler l'IFI au bon souvenir des non-résidents. Je pourrais vous en dire un petit mot. Et puis, la Cour des comptes, qui a donné une trajectoire au gouvernement en matière de contrôle sur ce type d'impôt, qui là aussi peut faire un peu frémir. Donc un petit peu ces quatre planètes là qui se sont alignées de façon assez menaçante, alors sans que ça nous fasse tomber dans les pommes, mais c'est quand même important d'en dire un mot, parce que ça permet, peut-on penser, de tordre le cou à certaines idées reçues qui sont assez dangereuses en la matière. Commençons peut-être simplement par le plus clair, le plus massif, c'est l'œuvre du législateur, c'est-à-dire ce que la loi de finances 2024 a changé en matière d'IFI. Ça touche les biens immobiliers qui sont détenus de manière indirecte, par le biais de sociétés. C'est une situation qui est fréquente, puisque l'IFI touche, c'est même dans son nom, plutôt des patrimoines importants, des fortunes immobilières. Pour le rappeler peut-être quand même en un mot, le seuil de déclenchement de cet impôt démarre à 1 300 000 euros de patrimoine immobilier net. Donc c'est beaucoup. Et pas tant que ça, je dirais, on n'est pas tous égaux par rapport à ce seuil. Ça dépend un peu des régions de France dans lesquelles on vit. Il y a certains secteurs touristiques, certaines grandes villes, où le prix au mètre carré fait qu'on peut, sans être forcément un nabab milliardaire, dépasser ce seuil. Là où dans d'autres régions, même un très beau bien immobilier peinera à atteindre des prix équivalents. Et donc 1 300 000, le seuil de déclenchement, sachant que si on franchit cette ligne, on rentre donc dans le monde de l'IFI, mais on y rentre plus bas que ça. C'est-à-dire qu'on ne sera pas taxé à partir d'1 300 000 et sur toutes les valeurs qui dépassent ce seuil, on sera taxé à partir de 800 000 euros. Donc si je dépasse 1 300 000, je serai taxé à partir de 800 000 euros sur toutes les valeurs immobilières que je détiens qui dépassent 800 000 euros. Toutes les valeurs immobilières détenues en direct, la maison, l'appartement, le terrain que je possède, mais aussi de manière indirecte, c'est-à-dire l'immobilier détenu à travers une société, voire détenu à travers des produits financiers qui peuvent être eux-mêmes assis sur des sous-jacents immobiliers, des parts de SCPI par exemple, des SIC, enfin dans toutes les spécificités d'instruments financiers qui sont liés à des sociétés d'investissement immobilier. Bref, donc l'IFI concerne tous les contribuables qui remplissent ces conditions. Et parmi eux, voilà, un certain nombre peuvent détenir leurs biens immobiliers à travers une société. Ce qui veut dire que quand ce contribuable remplit sa déclaration d'IFI, il doit compiler les valeurs de tous les biens immobiliers qu'il possède et les valeurs aussi des parts sociales. J'ai une SCI qui détient, par exemple, je suis dirigeant d'une entreprise,
J'ai une entreprise qui fait telle ou telle activité qui est exploitée à travers une SARL, une SAS, peu importe. Et puis à côté de ça, j'ai les murs de mon entreprise qui sont détenus par une SCI. Ces murs sont affectés à mon entreprise, affectés à mon exploitation. Ce sont donc des murs professionnels, mais vraiment consacrés à mon activité, à mon métier. En tant que tels, ils seront exonérés d'IFI. Mais cette SCI possède aussi d'autres biens immobiliers qui, eux, ne sont pas utilisés par mon entreprise, mais sont loués à d'autres professionnels. Des bâtiments, par exemple, qui sont dans une zone industrielle, ben j'en occupe une partie, et puis une autre partie, parce que c'était trop grand pour moi, est louée à l'entreprise voisine. Donc ce n'est pas du tout mes murs d'exploitation à moi. Donc il n'y a aucune exonération d'IFI sur cette partie-là qui est louée à un tiers. Même si ce tiers, lui, exerce une activité professionnelle dedans, ce n'est pas la mienne, donc il n'y a pas d'exonération là-dessus. Ça signifie que cette partie-là de valeur doit être intégrée dans ma base de calcul d'IFI. Donc, là, l'exemple est simplifié, mais chacun pourra imaginer à quel point les variantes et les ramifications peuvent complexifier tout ça, dans le sens où les calculs vont devoir se faire sur la base de prorata, parfois extrêmement fins, hein, puisque on a des situations fréquentes où le bien immobilier taxable est détenu par une société qui elle-même est détenue par une autre société, qui elle-même est détenue par une holding au sein de laquelle j'ai des titres. Donc à chaque fois, un prorata du pourcentage détenu dans chacune des poupées russes jusqu'au sous-jacent immobilier doit être calculé pour faire remonter le pourcentage de la valeur de base qui rentre dans mon IFI. Mais donc, pour reprendre l'exemple simple que j'évoquais, hein, avec ma SCI qui détient mes murs professionnels d'exploitation à moi, qui sont exonérés et qui rentrent pour zéro dans mon IFI, et puis une autre partie qui sont louées à un tiers et qui, eux, doivent être chiffrées dans mon IFI, on va prendre en compte la valeur nette des parts sociales. Nette, ça veut dire quoi? Ça veut dire déduction faite des dettes que la société civile peut supporter. C'est-à-dire, elle a en actif la valeur des immeubles qu'elle détient, mais en passif, par exemple, le solde des emprunts bancaires qui sont toujours en cours, qu'elle a souscrit, par exemple, pour acheter ses murs, ou pour les construire sur un terrain qu'elle avait acquis, ou pour les rénover, pour les remettre aux normes ou autre. Pour telle ou telle raison, la SCI supporte un passif bancaire. Ce passif est effectivement déductible de la valeur brute des parts pour arriver à la valeur nette qui, elle seule, au prorata de l'immobilier détenu par la société, doit être intégrée dans ma déclaration. Ça, c'était la règle, je dirais, jusqu'à fin 2023. Ce qui vient de changer avec la loi de finances 2024, c'est qu'on nous explique que désormais, le passif de la société ne peut pas être déduit en bloc. On ne peut plus déduire ce passif que au prorata des actifs qui sont eux-mêmes taxables. Je m'explique. Ma SCI possède les deux biens immobiliers qui valent 100 chacun. Et puis, elle a un passif bancaire en cours de 50. On ne peut pas dire que la valeur nette des parts, c'est 200, les actifs, moins 50, le passif, donc une valeur nette de 150. Et puis, ce qui va rentrer dans mon IFI, ben c'est le prorata de la partie taxable. J'ai deux biens immobiliers, un qui est exonéré d'IFI puisque c'est mes murs d'exploitation, un autre loué à un tiers. Les deux étaient de valeur équivalente. Le prorata est donc de moitié, et donc moitié de la valeur nette, 75, que je vais mettre dans la moitié de 150, que je vais mettre dans mon IFI. Ça, je pouvais le faire jusqu'en 2023. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus complexe parce qu'on va me dire non, les 50 ne sont plus déductibles pour arriver à déterminer la valeur nette des parts que à hauteur de la fraction du prêt affectée au bien qui lui-même est taxable. Donc, si le prêt de 50,
il a été souscrit par la SCI pour faire des travaux dans le bien que j'exploite et aussi des travaux dans le bien que je n'exploite pas et qui est loué à un tiers, bien, il va falloir déterminer la fraction du crédit qui est affectée au bien taxable et c'est seulement cette fraction-là qui sera déductible. Donc dans mon exemple, c'est peut-être pas du tout 75 la valeur nette que je vais pouvoir intégrer dans ma base de taxation. Ça sera peut-être une somme plus importante parce que le prorata sera plus défavorable. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il faut prendre en compte, qui va certainement pas dans le sens de la simplification. Au contraire, et là encore, si on applique ce raisonnement au schéma que j'évoquais tout à l'heure de détention avec des niveaux d'interposition multiples, la déclaration de DIFI devient vraiment un sujet de concours d'entrée dans les grandes écoles hein, par rapport à la difficulté mathématique de calcul. Premier élément. Deuxième élément peut-être qui vient un petit peu bousculer ce sujet de l'IFI cette année, et lui, il va toucher sans doute beaucoup plus de gens encore, c'est le cas des loueurs en meublé professionnels. La location meublée, on le sait, c'est devenu un phénomène de société. En France, il y a énormément d'investisseurs, d'épargnants qui détiennent des biens immobiliers et qui décident de s'orienter vers ce type d'exploitation locative pour plein de raisons, de rentabilité qui peuvent être plus ou moins porteuses dans des secteurs touristiques, dans des villes dynamiques et autres, mais aussi et surtout sans doute pour des raisons fiscales, puisqu'on le sait, le traitement fiscal du revenu de location meublée est en pratique beaucoup plus favorable que celui de la location nue. D'autres motifs sans doute aussi, mais voilà, le gros avantage de la location meublée, on le sait, c'est le fait de pouvoir accéder à beaucoup plus de charges déductibles. Le revenu brut, c'est-à-dire les loyers que je perçois, ne vont pas rentrer tels quels dans la base de taxation. On va pouvoir déduire les charges habituelles, taxes foncières, charges de copropriété, assurances, mais on va pouvoir aussi et surtout, et ça c'est la spécificité de la location meublée, j'ultra simplifie en le disant comme ça, mais on va pouvoir déduire cette charge purement comptable, hein, qui n'est pas un décaissement annuellement reproduit, mais cette charge comptable qui est l'amortissement des murs, hein, c'est-à-dire je vais pouvoir déduire chaque année de mon chiffre d'affaires un pourcentage du prix de revient du bien, hein, du prix d'achat des murs, du prix d'achat des meubles, ce pourcentage étant forfaitairement censé traduire la vétusté progressive du bien au gré des années. Et ce qui fait que, très souvent, on arrive à des résultats taxables qui sont sans commune mesure par rapport à la réelle trésorerie qu'on a encaissée. Voilà. Résumé en deux mots, l'élément essentiel de la location meublée, qu'on soit en location meublée non professionnelle ou en location meublée professionnelle, LMNP ou LMP, puisque les deux avatars existent, hein, les deux variantes. Le LMP, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qui fait qu'un loueur en meublé peut être non professionnel ou professionnel? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une option entre un statut et l'autre? Ça a pu l'être, plus du tout depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la bascule d'un régime à l'autre est devenue purement factuelle, ne dépend plus que de critères froidement comptables et qui sont totalement indépendants de la volonté optionnelle du contribuable. Ce qui fait que je deviens LMP, c'est le fait que mes chiffres d'exploitation dépassent ou pas deux seuils cumulatifs. Je vais être LMP parce que, petit 1, les loyers meublés que je perçois dans l'année, le chiffre d'affaires que je perçois, dépasse 23 000 euros par an, hein, que je perçois ou que le foyer fiscal perçoit, donc ça peut être les miens, ça peut être ceux de mon conjoint ou de personnes qui dépendent du foyer fiscal. Donc petit 1, dépasser ce seuil absolu de 23 000 euros. Petit 2, et les deux doivent se cumuler, il faut que le chiffre obtenu, qu'il soit de 23 000, 24 000 ou 50 000 ou peu importe, il faut que le chiffre soit prépondérant par rapport à l'ensemble des revenus d'activité du foyer fiscal. C'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'on dépasse 23 000, mais il faut aussi que ça dépasse la moitié de tous nos revenus.
Si tel est le cas, nous sommes LMP, hein, loueur en meublé professionnel. Ce qui, en matière d'impôt sur le revenu, ne change pas grand-chose, mais ça peut changer pas mal de données en matière d'impôt sur la plus-value. Le jour d'une revente, les règles seront tout à fait différentes des plus-values immobilières applicables aux particuliers, alors même que je suis un particulier, mais le fait d'être une LMP fait que je vais être traité comme si j'étais une entreprise au moment d'une vente. Et puis, surtout, et c'est notre sujet, en matière d'IFI. Puisque si je suis LMP, le P dans LMP veut dire professionnel. Donc on pense tout de suite professionnel, comme on le disait tout à l'heure quand on évoquait les murs de l'entreprise, un bien affecté, un bien immobilier affecté à une exploitation professionnelle, il est censé être exonéré de d'IFI. On a seulement coutume de rajouter un critère supplémentaire, de façon tout à fait exacte d'ailleurs, à savoir qu'il faut que je sois LMP, mais il faut aussi que je démontre que c'est réellement mon activité principale au jour le jour, je dirais dans ma vraie vie concrète, de m'occuper de la gestion de mon patrimoine immobilier locatif meublé. Hein, donc jusqu'à présent, beaucoup de gens concernés étaient convaincus qu'en alignant les conditions du statut LMP, dépassent les deux seuils cumulatifs et qu'ils n'ont pas d'autre activité principale dans leur vie quotidienne que celle de gérer ces logements meublés, eh bien, ils pouvaient considérer que les logements en question étaient exonérés d'IFI. Sauf que, voilà, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 20 décembre 2023, au cœur d'un litige qui a opposé des contribuables et l'administration fiscale, la Cour de cassation a donné raison à l'administration fiscale, puisque tout simplement, au vu des textes, elle a dit « attention, les critères à prendre en compte pour être considérés comme professionnels en matière d'IFI ne sont pas exactement les mêmes » que les critères à prendre en compte en matière d'impôt sur le revenu. En matière d'impôt sur le revenu, les deux seuils dont je parlais doivent être dépassés par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant brut des loyers que je perçois. Alors qu'en matière d'IFI, pour que je sois considéré comme LMP IFI, il faut que les deux seuils soient dépassés non pas par mon chiffre d'affaires, le montant brut des loyers perçus, mais par mon résultat net, c'est-à-dire le montant net imposable de ces loyers. Or, on l'a dit à l'instant, ce qui fait la caractéristique même, le cœur de la machine du régime de la location meublée, c'est que le résultat net, il est très faible. C'est bien tout ce qui fait sa séduction au niveau de l'impôt sur le revenu. Il est très faible puisque le montant des loyers perçus est écrasé au niveau de la détermination du résultat comptable par le poids de l'amortissement. Donc très rares seront ceux, sauf à être dotés d'un parc immobilier massif, qui pourront démontrer que leur résultat net dépasse non seulement 23 000 euros par an, mais aussi la moitié de tous leurs autres revenus. Ce qui veut dire que cette décision de la Cour de cassation qui ne crée pas une nouveauté, mais qui rappelle une règle qui avait sans doute été très collectivement perdue de vue, eh bien, donne un fil rouge à l'administration fiscale pour sans doute mener toute une série de contrôles et de redressements chez de nombreux foyers fiscaux concernés par l'IFI et qui s'adonnent à la location meublée, notamment des foyers fiscaux de retraités, hein, où très très souvent cette réflexion a pu être menée pour des gens qui ont pu bien gagner leur vie pendant une existence professionnelle bien remplie, avec des revenus qui pouvaient être conséquents, qui leur ont permis d'investir pas mal dans la création d'un parc immobilier locatif, qui ont basculé LMP au moment de leur retraite, puisque leurs revenus d'activité ont diminué, hein, ils ne touchaient plus les mêmes résultats, leur retraite est sans commune mesure avec leurs revenus d'activité, leurs loyers, eux, en revanche, ont progressé, et donc ont dépassé les seuils dont on parlait tout à l'heure.
Donc ils sont devenus LMP, ils se disent, ben voilà, grâce à ça, on peut être exonéré d'IFI. Eh bien en réalité, pas du tout, puisque pour l'IFI, ils seront considérés comme LMNP et pas comme LMP. Donc sans doute, voilà, un vrai appel d'air pour les contrôles que l'administration fiscale pourrait être amenée à mener là-dessus. D'autant plus que, au-delà de ces propre velléité personnelle de contrôle, elle a de toute façon guère le choix, parce que troisième planète qui est venue s'aligner dans ce mouvement au début de cette année, 25 janvier 2024, un rapport émis par la Cour des comptes et qui donne des injonctions assez pugnaces au pouvoir public en constatant que le contrôle, le suivi des contribuables concernés par l'IFI est, selon les magistrats financiers, trop relâché en France. D'après leurs chiffres, 2% des contribuables concernés qui font l'objet de contrôles fiscaux. Et donc, une vraie injonction donnée par les magistrats de la Cour des comptes au ministère de l'Économie pour activer de manière massive les contrôles et donc potentiellement, surtout vu ce qu'on disait juste avant, les redressements sur les contribuables concernés par l'IFI. Et puis, peut-être quatrième chose qui touche peut-être une marge moins répandue de personnes, mais c'est quand même pas totalement inexistant non plus, c'est tout le sujet des non-résidents, hein, c'est-à-dire des personnes qui possèdent des biens immobiliers en France, mais qui ne vivent pas en France. Soit des Français expatriés qui vivent à l'étranger pour diverses raisons, notamment des missions professionnelles par exemple, ou des étrangers hein, qui vivent dans leur pays mais qui ont pu investir en France. Hein, le couple d'Anglais qui a acheté un château dans le Périgord, ou tous autres exemples qu'on voudra, et avec ce bien immobilier ou ces biens immobiliers qui dépassent le fameux seuil d'1,3 million dont nous parlions au début. Là, dans le cadre d'une réponse ministérielle qui a été émise le 4 janvier de cette année aussi, donc vous voyez tout le concentré de menaces qui s'est réalisée à ce moment-là, cette réponse ministérielle nous dit bien que pour ces non-résidents, encore une fois français ou pas français, peu importe, dans la détermination de leur statut LMP ou LMNP, il n'est pas question de prendre en compte les revenus, quels qu'ils soient, que ce soit des revenus d'activité ou des revenus de patrimoine, hein, des dividendes, de placements ou autres. Il n'est pas question de prendre en compte dans l'équation, dans la détermination des critères, les revenus qui ont une source étrangère. On ne prend en compte que les revenus générés en France. Donc, quelqu'un qui est non résident et qui a peut-être des revenus très importants dans le pays où il réside, ils ne seront pas considérés dans le raisonnement fait par l'administration fiscale en France. Ce qui veut dire que n'ayant pas ou peu de revenus autre que la location meublée en France, et ayant quelques revenus de location meublée en France, il suffira que ces revenus dépassent 23 000 euros pour qu'ils atteignent de fait aussi l'autre condition de prépondérance, puisqu'il n'y a pas d'autres revenus en France. Et donc ces gens-là vont se retrouver LMP, qu'ils le veuillent ou non. Et avec des conséquences pas forcément maîtrisées, on l'a dit tout à l'heure, et pas mal de différences en matière d'impôt sur la plus-value, de traitement successoral en cas de décès et autres. Tout ça pour dire, voilà, que l'IFI, qui est pourtant pas tout à fait un nouveau-né, hein, puisqu'il existe depuis 2018, a connu quand même un rebattage de cartes important cette année, et que la vigilance s'impose à la fois pour s'interroger de manière vraiment raisonnée désormais, hein, sur les estimations qu'on prend la responsabilité de déclarer quand on fait sa déclaration d'IFI. On connaît l'adage, hein, qu'il y a beaucoup de bonnes affaires à faire en regardant les déclarations d'IFI, beaucoup de biens qui ont des prix décidément très très intéressants. Ça, il faut
faut penser que ce type de pratique devient de plus en plus dangereux. Donc c'est sans doute prudent aujourd'hui pour le contribuable concerné de faire estimer ses biens de façon sérieuse chaque année pour être sûr d'être dans les clous d'un marché qui est quand même assez actif. D'autre part, peut-être prendre des choix d'arbitrage. Une fois qu'on aperçoit, on s'aperçoit que on dépasse des seuils, qu'on dépasse peut-être même des tranches, hein, parce qu'une fois qu'on rentre dans le monde de l'IFI, eh ben, on peut passer des tranches de plus en plus élevées et arriver à des montants d'impôts annuels qui, couplés au reste, peuvent donner des sommes très importantes. Donc peut-être des choix de réorganisation patrimoniale à envisager dans certains cas. En tout cas, se faire conseiller de près sur ces sujets-là.